Les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice qui rappelle l'examen de foi et la soumission d'Abraham à Dieu qui a accepté de sacrifier son enfant sur la montagne de Moridja. Cette belle expérience de vie de foi a connu un dénouement heureux car Dieu substitua l'enfant par un bélier. Chaque année, les fidèles musulmans célèbrent cette fête du sacrifice pour se rappeler l'acte de foi d'Abraham, idem au Burkina Faso. Un projet d'aviculteur modèle vient d'être lancé par le gouvernement burkinabé. C'est un vaste programme qui s'insère dans la politique de création d'emplois au profit des jeunes et des femmes. Des kits d'une valeur de 600 000 francs CFA ont été remis à chaque éleveur et engagement a été pris de leur assurer un suivi technique des échos qui nous parviennent de Boulsa, la Le Namentenga. Bonjour et bienvenue à cette première édition de l'actualité de la télévision de Burkina. Et pour les fidèles musulmans, bonne fête de Tabaski à vous. La fête de l'Aïd al-Adha, communément appelée fête de Tabaski, a été célébrée par les fidèles musulmans à Ouagadougou. À l'occasion, des prières ont été adressées à Dieu pour que la paix, la solidarité et la cohésion sociale demeurent au Burkina Faso. C'est le grand imam de Ouagadougou qui a officié les deux rakats de l'Aïd al-Kébir. Abdoul Rasmane Zongo a pris part à cette prière. Voici son compte-rendu. Ce rituel d'immolation du bélier remonte à l'époque d'Abraham, dont l'entière soumission à Dieu n'hésita pas à ôter la vie de son fils avant que ce dernier in extremis ne soit sauvé par l'ange Gabriel et remplacé par un mouton. Ainsi, ce vendredi, et à l'instar des fidèles musulmans du monde, ceux du Burkina Faso et précisément de Ouagadougou accomplissent la fête du sacrifice communément appelée Tabaski. Le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Aboubakar Sana, devant un public des grands jours, officie religieusement les deux rakats sous le regard confraternel de la communauté chrétienne. Nous souhaitons que la prière des musulmans contribue aussi à l'avènement de la paix, à l'avènement de la justice, de la réconciliation. Et c'est cela qui nous permettra de notre vivre ensemble, dans le respect des autres, différents de nous, mais complémentaires de nous. On est venu prier, on ressent un sentiment de joie. Voilà, on souhaite beaucoup de paix dans ce pays, de la stabilité. Voilà, ce sont mes vœux. Toutes les invocations ont pour dénominateur commun la cohésion, la solidarité et surtout la paix. La symbolique cette année, c'est toujours la paix. L'année passée, nous avons imploré Dieu pour la paix. Nous l'implorons encore pour la paix parce qu'aujourd'hui, nous pensons que parler de la paix, prier Dieu pour la paix, c'est très important et il y a des raisons profondes. Il y a des raisons profondes dans cela. Si nous voyons ce qui se passe autour de nous, il y a des raisons pour que nous puissions implorer le miséricordieux pour la paix. L'Aïd al-Kébir donne également lieu à de joyeuses retrouvailles, réjouissant ces partages empreints de joie et de fraternité entre toutes les communautés. Cap à présent à Boulsa, dans le Namentenga, pour parler d'un important projet avicole qui a été lancé par le gouvernement burkinabé en vue de créer des emplois au profit des femmes et des jeunes. Au nombre de 7020 bénéficiaires, ces personnes ont toutes reçu des kits qui, pour démarrer leurs activités, et réussir leur premier pas d'aviculteur modèle. Plus d'informations dans cet élément de Godefroy Bazi. 10 poulets, un coq pour commencer une extraordinaire aventure humaine. Les premiers pas du projet de promotion de l'aviculture traditionnelle améliorée sont déjà pleins de promesses. Les femmes et les jeunes des 351 communes vont ainsi participer à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Il y a une première étape de phase pilote. Et cette phase pilote qui s'est déroulée dans la boucle du Monde et les hauts bassins a donné des résultats probants. À partir de cette phase pilote, nous avons donc, à travers ce grand programme, voulu l'étendre à l'ensemble des 351 communes de notre pays. Alors, pour que ce soit effectivement un programme à très long terme, nous devons véritablement réussir cette phase de grande envergure. Le projet lancé à Boulsa est une des composantes du programme spécial de création d'emplois en son volet Action en faveur des jeunes ruraux. Pour qu'il atteigne ses objectifs, il a besoin visiblement de l'implication de tous les acteurs. Nous devons nous assurer que ceux que nous avons, celles que nous avons sélectionnées réussissent. Parce que si nous ratons cette première phase, ce programme, ce n'est pas la peine, il faut l'oublier. Donc c'est pourquoi je souhaite que nous puissions travailler au suivi rigoureux de ce programme, à l'encadrement de toutes ces personnes qui ont accepté donc
de tester le programme parce qu'il est tout à fait rentable sur le plan théorique et même sur le plan pratique parce qu'il y a eu quelques expériences qui ont été faites. Alors donc, l'accent va être mis sur sa gestion. Et donc, j'insiste auprès du ministre des Ressources animales que nous puissions suivre de près, que nous puissions suivre chaque personne qui a ce programme. De telle sorte que si ça marche dans un an, vous pouvez voir que nous pouvons le multiplier par 2, par 3, par 4, par 5. Le programme lancé est ambitieux et mérite d'être soutenu à bout de bras pour sa pérennisation. Et à la matière de patronner la presse interpelle tout un chacun à jouer sa partition. Le Burkina engage ici une bataille dans un secteur où il part d'avance gagnant en termes de lutte contre le chômage et de création de richesses. À l'issue du lancement de ce projet, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les forces vives du Namantenga, un face-à-face placé sous le signe du dialogue pour résoudre les préoccupations des populations de cette province. Moment d'échange qui a abouti à des prises de position de Luc Adolphe Thiaw, compte rendu signé Godefroy Bazi. Ici comme ailleurs, reviennent les mêmes préoccupations qui tournent autour de la santé, de l'éducation, de l'amélioration du cadre de vie. Mais à Boulsa, le problème essentiel demeure le désenclavement. Toute la problématique de voir comment désenclaver Boulsa, notamment bitumer la voie qui ira donc de Puitenga à Boulsa pour accéder donc à Kaya. Et j'ai donc rassuré les forces vives que cette préoccupation, j'en fais aussi une préoccupation majeure parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une région qui a de fortes potentialités, surtout en matière donc, d'élevage. Donc il faut qu'il y ait des infrastructures pour les accompagner. Dans les doléances des jeunes, des femmes, des opérateurs économiques, de la société civile et des communautés religieuses et coutumières, bien notées, il restait aux membres du gouvernement présents à apporter des réponses aux préoccupations exprimées. Sur le champ, le chef du gouvernement a promis de doter le CEMA de Boulsa qu'il a visité de tables d'accouchement, de matelas et d'une table de réanimation. Un premier pas dans la voie de la restauration de ce centre médical. Le gouvernement doit faire encore des efforts pour les provinces. Et j'ai vu l'état du CEMA et je crois que là, il y a quelque chose à faire parce que nos CEMA ont réellement des problèmes en province et nous allons travailler à avoir un programme spécial de réhabilitation et d'équipement donc, de ces CEMA. Avant de quitter ses interlocuteurs, le Premier ministre a insisté sur les valeurs de paix et de tolérance à inculquer aux jeunes générations et qui sont aujourd'hui des richesses inépuisables du Namantenga. Ce qu'on peut retenir à cette rencontre, c'est vraiment le plaidoyer pour la paix et pour l'entente et la synergie d'action pour voir dans quelle mesure booster le développement de la province et booster le développement au niveau régional. Une journée bien remplie dans le Namantenga qui en appelle d'autres. Le chef du gouvernement a en effet promis de rencontrer très bientôt les forces vives du centre-nord à Kaya. Les députés ont examiné hier à l'Assemblée nationale une dizaine de dossiers relatifs au projet de loi portant autorisation de ratification de conventions ou d'adhésion à des accords adoptés dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le compte-rendu est signé Sylvain Webamba. C'est à l'unanimité des 59 votants que les 10 projets de loi portant autorisation de ratification de conventions d'adhésion à des accords adoptés dans le cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont été adoptés. Afin de confirmer l'engagement du Burkina à jouer un rôle de premier plan dans le processus d'intégration en Afrique, le gouvernement a entrepris la régularisation de nos engagements vis-à-vis de la CEDEAO. Chaque État a accepté, en entrant dans la CEDEAO, d'abandonner une partie de ses prérogatives pour pouvoir faire partie d'une communauté plus large et se sentir plus fort pour relever les défis, notamment de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement économique. Les 10 accords pour lesquels l'Assemblée vient de marquer son accord pour la ratification par notre pays concernent notamment le renforcement du cadre institutionnel. Il s'agit de 9 protocoles portant respectivement sur une carte brune de la CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile au tiers, à la définition de la notion de produit originaire de l'espace, à la Cour de justice de la communauté, à l'amendement du traité révisé de l'organisation, au Parlement de la CEDEAO, à la création de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité,
à l'application des procédures de compensation des pertes de recettes subies par les États membres du fait de la libéralisation des échanges et enfin sur l'éducation et la formation. À cela s'ajoute une convention relative à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres dans l'espace communautaire. Des politiques de l'intégration, nous passons aux politiques publiques qui mettent l'accent sur la responsabilité sociale des sociétés d'exploitation minière. L'ONG Diakoni a fait un plaidoyer en allant dans ce sens et par ailleurs interpeller les organisations de la société civile à identifier les politiques publiques qui seront inscrites dans l'agenda des candidats aux élections locales. Frédéric Étienne Bassenga pour le point. C'est pour trouver les arguments nécessaires à la réalisation de deux campagnes de plaidoyer sur les questions des industries minières et des élections à venir au Burkina Faso que l'ONG Diakonia a réuni ses partenaires à Kourougou. Comment susciter plus de responsabilités chez les sociétés minières et comment faire en sorte que certaines politiques publiques puissent être inscrites dans l'agenda des candidats aux élections couplées à venir au Burkina Faso. Voilà ce à quoi se sont attelés les partenaires de Diakonia durant ces trois jours. Cette initiative vise au renforcement des synergies d'action entre les différents partenaires de Diakonia et à influencer positivement le processus démocratique en cours au Burkina Faso. La recommandation majeure issue de ce groupe est que la société civile doit s'investir dans la sensibilisation citoyenne pour que la participation électorale soit davantage accrue le 2 décembre et pour qu'également l'ensemble des acteurs, État, CENI, secteurs privés ainsi que société civile, puissent également apporter chacun son concours afin que ce scrutin puisse être également un départ démocratique pour le Burkina Faso à partir du boom minier. Si nous avons un environnement démocratique propice et si nous avons des fenêtres d'opportunité de développement, nous pensons que là, on pourra dire que le Burkina est positionné dans l'émergence. Cette rencontre d'échange d'expérience entre les différents participants a permis d'élaborer la stratégie devant permettre d'atteindre efficacement la cible. Elle a aussi permis d'élaborer deux plans d'action portés chacun par un partenaire. Éducation à présent, l'Organisation internationale de la francophonie réfléchit sur une nouvelle perspective qui consiste à introduire les langues nationales dans les systèmes éducatifs. C'est une vision politique qui positionne les langues comme un vecteur de réduction du taux d'analphabétisme en Afrique. Jean-Baptiste Ouedraogo. L'historien burkinabé Joseph Kizerbo disait que l'école ne doit pas tourner le dos au patrimoine africain, sinon ce serait l'école en Afrique et non l'école africaine. Aujourd'hui, cette pensée est d'actualité et l'Organisation internationale de la francophonie a fait sienne cette donne. L'éducation fondamentale, pour être efficace, devrait s'enraciner dans son milieu. C'est ce qui a motivé la mise en place d'un projet africain dénommé Élan Afrique. À Ouagadougou, les membres du comité de mise en œuvre se sont retrouvés pour leur rencontre annuelle. Je suis très, très satisfait et très heureux parce que vous savez, c'est depuis longtemps qu'au niveau du Burkina, on essaie d'expliquer aux gens que la voie royale de transmission de la connaissance, c'est la langue que l'enfant maîtrise. Durant de longues années, certains ont estimé que la pluralité des langues nationales est un obstacle majeur à l'utilisation de celles-ci à l'école. À Ouagadougou, les experts du domaine n'entendent pas la chose de la même oreille. Pour eux, il faut donner un coup d'accélérateur au processus d'introduction des langues maternelles dans les cursus scolaires. Les langues nationales sont déjà introduites au niveau du Burkina et dans les écoles primaires publiques. Et nous avons déjà 9 langues qui sont déjà enseignées dans les écoles. Donc en fait, Élan Afrique vient nous appuyer davantage à améliorer nos pratiques dans le cadre donc, de l'éducation bilingue. Le Burkina Faso est cité en exemple en matière d'enseignement bilingue parce que ses autorités ont vite compris que les langues nationales pouvaient être un tremplin de lutte contre l'analphabétisme. Santé, à présent, les hommes des médias sont invités à accompagner les campagnes de vaccination. C'est une exhortation qui vient des partenaires techniques et financiers et des responsables du ministère de la Santé. Nathalie Kaori. L'objectif du programme élargi de vaccination est d'assurer une couverture vaccinale des populations contre les principales maladies évitables à l'immunisation. Ces activités ont permis aujourd'hui d'enregistrer d'énormes succès dans la lutte contre les maladies, dont voici quelques exemples. L'éradication de la variole,
l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage, l'élimination du tétanos néonatal, le contrôle de la rougeole. Pour maintenir le cap et surtout pour obtenir plus de résultats, des défis restent à relever en termes de mobilisation de tous les acteurs et d'un bon suivi du processus de vaccination qui existe. Il suffit simplement que les gens soient encore mieux informés, soient encore mieux formés et surtout qu'on puisse assurer la qualité de la vaccination sur toute la ligne. Depuis la conception du vaccin, sa fabrication, son arrivée ici, jusque sur le terrain et jusque au niveau de la bouche ou bien au niveau sous-cutané de la personne. Pour le cas spécifique de la polio, le ministre de la Santé a fait savoir qu'aucun cas n'a été enregistré au Burkina depuis 2009. Mais la maladie circule toujours dans la sous-région. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur les efforts du Burkina en matière de vaccination. Mais le ministre de la Santé lève l'inquiétude. L'Organisation mondiale de la Santé nous accompagne pour qu'on puisse faire donc des campagnes de manière synchronisée pour être sûr qu'on va avoir une très bonne couverture nationale, une bonne couverture régionale pour nous permettre donc que les résultats puissent être engrangés par une région et non par un seul pays. La stratégie mise en place pour la campagne en cours au Burkina consiste à aller chercher les enfants là où on peut les trouver et les vacciner. Le ministre de la Santé et les partenaires financiers ont reconnu la contribution inestimable de la presse pour la réussite de cette campagne. Ils ont de ce fait exhorté les hommes de médias à relayer l'information et les messages essentiels pour plus d'adhésion des populations aux activités de vaccination. Les journées du pharmacien se sont ouvertes sur la thématique du rôle et de la place du pharmacien dans le système de la santé. Plusieurs spécialistes du médicament sont venus des quatre coins du monde pour participer au débat sur la conservation, l'achat et le contrôle continu des médicaments. Lazare Pouya. Les présentes journées du pharmacien invitent les spécialistes du médicament à réfléchir sur quatre points essentiels. Au regard de leurs conditions de travail, les pharmaciens devront mener leurs réflexions sur l'existence d'un climat de déficit de confiance caractérisé par l'insuffisance de postes de responsabilité aux différents niveaux du système de santé burkinabé, sur l'insuffisance d'une politique de formation des pharmaciens, sur la pratique illégale de la profession et sur l'absence d'un plan de carrière. Sans compétences aujourd'hui, on ne peut pas vraiment exercer son art. Et comme vous le savez, les pharmaciens, c'est les spécialistes du médicament. Et ce médicament, aujourd'hui, vous savez, c'est un bien de santé, un bien social qui est incontournable. Et donc, il faut vraiment que les médicaments, on puisse à tout moment s'assurer de sa qualité, de sa innocuité et de son efficacité. Cette rencontre de deux jours prévoit des conférences, des communications orales, des tables rondes et un forum d'échange. À cela s'ajoute une exposition des produits pharmaceutiques, toute chose qui vient confirmer l'importance du pharmacien dans le système de santé burkinabé. Une chose est d'avoir accès à ceux qui identifient la maladie. Une chose est que ces agents puissent faire correctement le diagnostic. Et l'autre chose qui est l'élément déterminant, c'est le médicament pour pouvoir traiter ce que l'on a trouvé. Le spécialiste du médicament, dans toute son ampleur qui est le pharmacien, constitue une des épines dorsales d'un système de santé qui se respecte. Au cours de cette cérémonie, des pharmaciens, un agent de la douane et une direction du ministère de la Santé ont reçu des distinctions dénommées caducées d'or, des attestations et des enveloppes pour leur combat contre les faux médicaments. Nathalie Kaoré de la RTB a été sacrée meilleure journaliste dans la lutte contre les faux médicaments. Elle a également reçu une attestation et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Voilà, toutes nos félicitations à Nathalie Kaoré. À 24 heures de l'ouverture officielle du CAO, les artisans sont toujours aux retouches. Les visiteurs acheteurs continuent d'arriver sur le site. Le salon est ouvert au public aujourd'hui. Et demain, c'est l'ouverture officielle de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, la vitrine du savoir-faire des artisans de Burkina et du monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellent week-end à tous et bonne fête de Tabaski. À bientôt.